وكما جرت العادة ككل سنة كما تعلمون هو هذا الشهر هو ما نقولوش مخصص ولكن بالعادة أصبح لي نتكلموا كثير على التصريح السنوي للأجراء وللأجور. وكما هو معلوم أن كل سنة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يقوم بعملية تحسيس للتصريح السنوي للأجور والأجراء لسنة 2019، وهذا طبعا في إطار المخطط الاستراتيجي المسطر من قبل المديرية العامة. الهدف من هذه الحملة التحسيسية هو الحث على ضرورة التصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي، الامتيازات التي تمنح لأرباب العمل عبر هذه الخدمة الجديدة، والتسهيلات المدرجة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في سياق تحسين الخدمة العمومية، ولا سيما الخدمات الإلكترونية الجديدة، حيث أن الهدف المنشود من كل هذه العملية هو إيداع أكبر عدد من التصريحات السنوية بالنسبة لأرباب العمل، استعمال والانخراط يعني الفعلي في هذه الخدمة أي خدمة التصريح عن بعد، كذلك تخفيف الإجراءات، وضع حد لكل أشكال البيروقراطية خاصة ما نراه بكل سنة من طوابير أمام شبابيك المخصصة للتحصيل على مستوى كل هيكل الصندوق، وكذلك التحيين الآلي لملفات المؤمنين اجتماعيا. يعني هذا بصفة عامة هذه الأيام التحسيسية واللي بدأت منذ 22 ديسمبر إلى غاية اليوم رانا في يعني توجنا بهذا اللقاء. وطبعا عندنا نائب مدير التحصيل والمالية هو يعني يقوم بهذه العملية برفقة خلية الإصلاح ويقدر يعطيكم توضيحات أكثر. وشكرا مرة أخرى على حضوركم، مرحبا بكم في كل وقت. Le 21 janvier, parce que le délai de dépôt des déclarations, c'est tout entier de 31 janvier. C'est la réglementation. Après l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, toutes les déclarations doivent être déposées. Le temps du 1er janvier au 31 janvier, on doit déposer la déclaration des salaires et des salaires. C'est la déclaration annuelle des salaires et des salaires. D'accord ? Qui m'appelle aussi le mobile, la CNAS, il a pas besoin de voyer. On passe à la numérisation de nos documents. D'accord ? Alors, maintenant, numérisation des documents, des dossiers, numérisation des documents et des dossiers. Maintenant, l'employeur peut télécharger la mise à jour. Je ne sais pas, j'ai remis. Madame, je vous ai remis la mise à jour. Mais mon employeur était tenu, l'employeur était tenu de se présenter au niveau de la CNAS pour retirer la mise à jour. Maintenant, la plateforme internet. L'employeur peut vérifier il peut vérifier le numéro de sécurité sociale des salariés. Il peut vérifier sa situation contentieuse. S'il a une situation contentieuse, maintenant il trouve pas que le portail est à jour. Est-ce que vous êtes à jour? Vous n'êtes pas à jour. S'il est à jour, il retire sa mise à jour. C'est une mise à jour électronique certifiée. C'est une mise à jour électronique et certifiée, maintenant il peut la déposer n'importe où, d'accord, et surtout elle est sécurisée. Maintenant qu'il y a une réelle roue, le معني بالأمر, maintenant le مؤسسة الوحدة هي اللي تقدر تجيب la mise à jour تاعها. Maintenant parce que on donne un numéro, on donne un code. Ce code il est personnalisé. On ne le donne pas au cabinet comptable.
on le donne à l'employeur lui-même. Maintenant, si l'employeur peut le donner à son comptable, ça c'est un autre problème. Mais là, on a un registre, il dépose, il signe le numéro de terme. Maintenant, je suis dire bien le même. Mais ce que je crois qu'on pense que la télédéclaration n'a pas donné résultat. Pas si, donc... si, si, si. À travers la télédéclaration, il a le hachi. La télédéclaration, c'est elle qui a ramené. Est-ce qu'elle a atteint son objectif? Bien sûr. Deuxièmement, elle a, on a deux valeurs. La première, c'est la chaîne NAXT. Bien sûr, elle a dit. Deuxièmement, on a fait la CNAS, elle a le numéro de compte au niveau de la BDL et au niveau de toutes les banques. On peut payer par e-payment. C'est-à-dire le e-payment maintenant il existe. Les cartes Chifa. Les cartes Chifa, c'est l'espace Lahena. La carte Chifa, même on est en train de. Par les employeurs, la CNAS. L'employeur, la CNAS. L'employeur, la CNAS. L'employeur, la CNAS, donc l'employeur peut, premièrement, vérifier ses salaires. Est-ce qu'ils sont immatriculés, ils ne sont pas immatriculés. Il peut vérifier sa situation. Contentieuse, est-ce qu'il a une situation ou non? Il peut faire sa télédéclaration, tout ça de chez lui. Il peut faire sa télédéclaration, la déclaration d'assiette des cotisations, avec mensuel ou trimestriel, bien sûr, plus de 9 ou moins de 9. Il peut payer par le e-payment. Il peut donner ordre à sa banque qui paye directement la CNAS et la plateforme internet, on le récupère. Il peut retirer sa mise à jour. Maintenant, la boucle est bouclée. Maintenant, l'employeur peut ne pas se présenter à nos guichets, mais le bureau Théo, il peut faire ça. C'est-à-dire, le bureau Théo, il peut faire une télédéclaration, il peut télédéclarer la DAC, il peut télédéclarer la DAS, il peut faire le paiement et retirer sa mise à jour. Bien sûr, et surtout maintenant, il y a un autre service, c'est la télédéclaration des employés, ce qu'on appelle l'immatriculation. C'est très important. Hein, immatriculation du salarié, lui-même. Ça veut dire que c'est. Là, le Wolkanidji, il déposait le CQ au niveau du CP ou là, au niveau des Gichitana. On va dire l'immatriculeur. Maintenant, c'est automatique. Il le fait sur place. Il a. Bon, on va passer à une autre. À partir de cette année, Inch'Allah, on va passer, mais je ne mets pas les documents. Ça veut dire c'est dématérialiser le CQ. Ça sera normalement au courant du premier trimestre ou au maximum le deuxième trimestre. Faut que vous avez des questions. وهذه الاجراءات يعني وقتاش بديتوا تخدموا بها واسكو كاين الناس اللي راهي بدات تخدم بها وي نو يا بوكو دا شيفر ولا كاين شيفر يعني نقدر نعطيك لو شيفر تاع العام اللي فات باسكو تاع لاني هذا وين بدينا العام اللي فات لحقنا الى 98% 96% من لي تيلي ديكلار معناها لي جون لي زومبلويور كي اون ديبوزي لا تيلي ديكلاراسيون تاعهم ا طرافير لو بورتاي دو لاكناس